Bonjour tout le monde, donc c'est Ariel de chez Pinceau. Je suis ici avec Madeleine Labelle qui vient donner des cours d'aquarelle. Elle a plusieurs cours, on va vous en parler aujourd'hui. Puis Madeleine, elle va vous faire aussi une petite démo d'aquarelle pour vous montrer sa technique. Ça va être super intéressant. On va attendre de voir que les gens se connectent un peu plus, puis on va démarrer ça, ça sera pas long. On va juste prendre un moment, Madeleine, ouais. Tu peux nous parler un peu de ton parcours, là, puis... Ben moi, j'ai toujours travaillé à l'hôpital Laval, mais j'ai eu la chance de faire du temps partiel, fait que dans mon mandat, je suis allée étudier les beaux-arts, okay. Vers 98-99, puis j'ai tombé en amour avec l'aquarelle, et depuis ce temps-là, j'enseigne l'aquarelle. Puis, je pense que ça, c'est membre de la société... J'ai été reçue en 2008 membre de la Société canadienne de l'aquarelle. Ouais, ouais. Hey, c'est bon! Ouais. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo. J'aime beaucoup aller faire des croquis dans un petit cahier que je traîne toujours. On peut, là, ils ne voient pas en ce moment, okay. Fait, si tu veux, on peut le mettre comme ça, si tu te recules un petit peu. Okay. Ici. Ah, ok. Ben oui, je suis pas habituée, là. Ben non, c'est sa première démo, mais je suis là pour l'aider. Sur Facebook, là. C'est ça. Alors, ouais, j'ai fait faire un petit croquis sur la rue Saint-Paul. C'est la rue Saint-Paul, mais il y a une petite rue où il y a des auvents. Je trouvais ça intéressant, les personnages. Et puis, je me suis pratiquée avant de venir ici. C'est bon. Puis c'est juste pour les informer aussi, c'est ça, c'est t'offres une session de 6 cours débutants. Puis tu vas donner après, une fois que cette session-là est terminée, ça va être une session débutant en plus. OK. Puis là, j'ai un cours, un séminaire le 17. Oui, c'est ça, le 17. Alors, ça va être sur les personnages. Et c'est-tu un peu ça ta démo? Oui, aussi, exactement, ouais. Mais plus grand. OK. Là, on voit bien. Oui, on voit super bien. OK. Okay. C'est ça, le 17 septembre, Madeleine a fait un séminaire. Je pense que tu me disais que c'était plus niveau intermédiaire. Ben là, oui, ouais. Parce que je vais parler comment intégrer les personnages dans un paysage. Okay. Et puis la fameuse ligne d'horizon. Mm. Mais ça se comprend bien, là. C'est vraiment pas compliqué. T'es pas obligé de mettre les yeux sur toute la ligne d'horizon. Tu peux être en bas de ta ligne d'horizon comme au-dessus de ta ligne d'horizon. En autant comme ici. Là, il faut que je le montre comme ça, Rien. Ben, si tu veux, on peut se retourner. Alors ici, c'est les yeux, et là, comme ça, qui sont sur la ligne d'horizon. Alors... Puis je pense que c'est assez ouvert aussi, créatif, ton cours, comme les gens, ils apportent leur propre couleur. Oui, leur interprétation aussi. Comme ici, bon, c'est un petit croquis de l'île d'Orléans. Alors là, voyez-vous, ma ligne d'horizon est ici, mais mes personnages sont en bas. Alors ici, ils s'en vont, là je suis un peu à l'envers, oui, ils s'en vont ça, sur la ligne d'horizon, les yeux ici. Oui. Alors, c'est très facile à comprendre. Alors ça, c'est toutes des croquis que j'ai faites aussi avec les élèves débutants. L'année passée. Oui, c'est un peu ce qu'on va faire dans le cours. Est-ce que c'est un peu ça? Dans ceux qui prennent le cours de débutant? Oui, j'incorpore toujours, je commence à parler des couleurs. Ouais. C'est surtout les couleurs primaires, les couleurs primaires pures, qui ont fait des secondaires, et un peu le dessin, parce que j'adore le dessin. Puis j'apporte toujours mon dessin que vous copiez aussi. Okay. Alors, c'est plus facile pour vous autres. Alors, c'est toutes les choses qu'on a faites en cours de débutant. De débutant. C'est comme ça. Ensuite, ça, je voulais voir. Ça, ici, c'est avec du brouchot. J'ai appliqué. C'est ici qui va en ça. Oui, des petits cristaux d'aquarelle. Mais c'est pas aquarelle pure. C'est une langue dedans. Ah, j'ai une langue dedans. Ouais, j'ai fait, et tu l'appliques, ça fait cute quand tu fais des parasols. Moi, je suis toujours sur le sens comme ça. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez ça, ensuite, attends un petit peu, il y a des affaires qu'on a fait ensemble l'année passée, le citron, les paysages, ça ici, c'est tout mouillé, hein? C'est fait très très mouillé, ça c'est une étude, oh. C'est une étude de sapin. Ah, c'est beau! Tu sais, fait que couper les lignes, je voulais leur montrer que, bon, on n'est pas obligé de faire un sapin vert, mm-hmm. Tu sais, on peut avoir toutes les couleurs. Et je voulais couper la ligne ici avec une spatule.
Alors, ça faisait. Puis la neige, ben, c'est sûr que le papier blanc, c'est notre couleur à nous. On ne sert pas du blanc à l'aquarelle. Alors, c'est tout ça ici. Des petites fleurs qu'on a faites. Dans le cours de débutant. Oui. Oh my God. Ben, non, mais vous, c'est, si vous avez, si je fais pas de démo, ça va être comme plate pour tout le monde. Non, moi, je suis d'accord. Non, c'est ça, je vais voir, moi, ce que vous allez enseigner dans le cours de débutant. Je parle même de couleurs, puis les secondaires, puis c'est ça. Vous sortez d'ici, là, c'est décourageant. Vraiment décourageant. Ouais. Alors, quand j'apporte un dessin, ouais, et puis qu'on fait nos toutes mouillées, ouais, ça fait cute, ben, oui, ça fait différent. Ça. Alors, ça, c'est aussi, sans gomme réserve, là. Je me sers pas de la gomme réserve parce que je trouve que ça m'enlève du gestuel, là. Puis ça fait du blanc que je sais pas quoi faire après. Donc, ça casse. Ça casse trop. Ouais, alors, c'est ça. C'est toutes des petits dessins qu'on fait. C'est à chaque coup, hein, je pense, que t'amènes un dessin. Ouais, comme c'est ça, c'était le dernier. Ouais, c'était le dernier dessin. C'est pas compliqué à faire, là, ouais, ça, quand on, c'est surtout de mettre la couleur, la fluidité de la couleur, ouais, tu sais, de mélanger nos couleurs, c'est ça qui est cool. C'est une tomate. Alors, c'est ça. Ah, super. Et moi, ça, c'est un des avant-derniers. Oh, oui. C'est les petites églises à Québec. Ouais, oui, c'est un royal, une place royale. Ouais, avec un petit personnage qui arrivait. Et puis, voyez-vous, il y a des personnages, hein, mon doigt me... Oui, oui. Ça. alors ouais, là, ils ont toute la ligne, ils ont tous les yeux. Pareil. OK. Tu sais, c'est quand tu as compris ça, là, tu as tout compris. C'est vrai? Hein? Ah oui. Tu as les bateaux, je suis une maniaque des petits bateaux. Et aujourd'hui, c'est ça. Ah, c'est magnifique. Alors, on va le faire. Oui. Alors là, je vais travailler mouillé parce que je mouille beaucoup mon. J'aime travailler. Alors, c'est l'envers de ma feuille. Normalement, je prends soit Canson, Héritage, Arche, Winsor Newton. En coton. Oui, j'aime bien aussi le Lupo. Mais c'est une autre affaire, là. Ouais, c'est pas ouais, mais j'aime beaucoup. Oui. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je l'étends pour qu'il soit bien, parce que je le broche pas, mon... Je travaille sur une planche de bois ou sur un plexiglas. J'enlève le surplus d'eau. Et je trouve qu'elle se colle bien après. Juste avec de l'eau, pas de non, masqué, non, non. Tout pour faire la facilité. Alors là, c'est sûr que quand c'est brillant, on n'y va pas tout de suite. Belle petite épave. Ouais. Ben oui, c'est vieux ça, depuis 98. Les affaires vieilles, ils sont vieux bien. Comme moi. Les affaires vieilles, elles durent, hein, comparativement aux choses d'aujourd'hui. Comme moi, j'en ai encore à prendre là-dedans. Là, le fait qu'on est un peu pressé par le temps, c'est brillant, mais moi, je l'enlève un peu. Avec quoi mouillez-vous la feuille? C'est avec une éponge que Madeleine me mouillait la feuille. Ah, c'est une éponge, mais vous pouvez le faire avec un pinceau, là, c'est parce que moi, j'ai une vieille éponge. Mais les éponges qui vendent aussi dans les marchés, là... Une éponge pas, à l'écureuil? Ouais, mais l'autre côté doux, là. Ouais, le côté doux. Alors, je me fais un petit gris. Alors, le gris, j'ai mis un peu de bleu et de brun. Je rajoute un petit peu de rouge pour lui donner. Et un petit peu de céruléen. Alors, je ne me préoccupe pas, ça c'était un édifice, gros édifice en ville, là. Fait que c'est pas ça mon sujet, hein. Fait que ça va être mes personnages. Alors là, je protège mes auvents qui vont être blancs.
J'ai mis un petit peu de gomme réserve ici pour garder des fleurs blanches. Est-ce que tu l'as éclaboussé? Je l'ai éclaboussé avec un pinceau. OK. Puis du savon, évidemment. Mm. Il y a un crayon aussi pour ça qu'on a un crayon un peu petit. Ouais, c'est juste que tu es vraiment plus précis, ça. Alors quand tu éclabousses, ça tombe partout, tu sais. Alors, ici, je mets de suite mes. Ouais, évidemment, le pot de fleurs, il n'allait pas jusque-là, mais je l'ai rendu plus. Il était coupé en deux. Moi, je le fais plus. Je l'ai fait tout d'un bout. Est-ce que vous partez à partir de la photo ou votre croquis ou sur la. Non, j'étais allée. Je suis allée là. Oui. Mais là, c'est sûr qu'il y a des choses inventées, là. J'avais pas de bouquet de fleurs ici, non, le personnage, j'ai inventé des affaires. Alors là, je passe sur mes personnages, ça me dérange pas, je veux qu'ils fassent partie de ma vie. Qu'ils fassent partie du... OK, alors là, je vais aller dans le vert, il y avait des arbres ici. Je prends le même... Tu sais ce que les gens voient? Non, c'est ça, on non. Voit, est-ce que je vais m'approcher ici? Oui, je peux peut-être passer. Ouais, OK. Alors, le même glacis, pas glacis, mais la vie que j'ai fait, je rajoute du jaune. Et là, je vais changer de. Je vais prendre un pinceau 10, 12. Alors ici, je sais qu'il y avait des arbres. Est-ce que tu sais c'est quel papier exactement que là, c'est le H que j'ai pris. Okay. Parce que c'est un excellent... c'est un excellent papier. Puis regardez, ils vont même pas sur... c'est mouillé et ça va... Mais je pourrais pas vous le dire pourquoi. Je veux dire, je suis chanceuse, là, mais habituellement, c'est très, très mouillé l'autre côté, regarde. Puis, il ne déteint pas de... Bonjour. Bonjour. Je vais prendre place sur mes chaises. Alors, je vais passer sur ma petite bonne femme ici, parce que les cheveux vont être plus foncés qu'elle. Est-ce qu'il faut que je dise les couleurs? Non. Oui, non. Ici, j'ai trouvé un beau bleu dans un bloc qui contient du cobalt et du bleu 15. Il est très, très beau pour faire un mélange avec le jaune. C'est plus facile, moi je trouve. Mais tu sais, c'est comme tout. Faut que tu l'apprennes, faut que tu comprennes les principes. Ouais. Alors, ici, je vais monter. J'avais un petit peu de... Excusez. Des bleus. Moi, je te dis les questions qui apparaissent en ligne. Pardon? Je te dis les questions qui apparaissent en ligne. C'est quoi? Elle veut savoir le nom de la fleur bleue que tu as utilisée. Ah, c'est un nouveau bleu que j'ai trouvé ici chez Blox que j'aime beaucoup. C'est le bleu, ça s'appelle le bleu cyanine. OK. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Alors, c'est pas un cyan là, dans la couleur primaire, là, faut pas se tromper. La couleur primaire, la seule que je trouve qui est vraiment primaire, qui est pure, qui n'a pas d'autre couleur, c'est le cobalt. Lui, c'est le cyan, mais il y a deux pigments devant. Il y a le PB15, c'est un beau bleu, et il y a un PB28 qui est le cobalt.
Ça, c'est très important. Hein? Regardez le, les pigments. Au-dessus de 3, vous ne l'achetez pas. C'est trop mélangé. Ça va vous donner pas une belle, un bel aperçu de votre aquarelle. Puis, es-tu transparent? Oui, regarde, quand même. Je vais vous le mettre ici, là. Je vais l'appliquer tout seul ici à côté. Vous me direz si. Ouais, on peut. Il est très beau. Ouais. Il n'est pas supposé d'être de bleu, mais c'est pas grave. Par contre. Hein? C'est dans ta facture. Dans ta facture. Alors, déjà, on voit le. J'ai gardé mes. Et ça, c'est mon papier de toilette que j'enlève, le surplus. C'est parfait. Je peux en trouver. Les compagnies nous vendent tout le temps plein de produits, hein, puis des fois, il y a des affaires. Ouais. C'est ça. Puis ça fait l'affaire. Ouais. Alors, ici, j'ai perdu des blancs pour le. Mais je vais aller les récupérer avec le papier de toilette. C'est un papier de toilette, mais qu'il faut qu'il soit très, très commercial. Et j'ai de la misère à m'en trouver. Il y en a plus chez Costco? Non. Mais si vous savez... Là, je vais prendre un... Tantôt, je vais mettre une couleur plus foncée. Et si j'ai perdu mon blanc, je vais le prendre. Et je vais aller construire ici, plus foncé. Alors, je vais mettre un ultramarine avec brun. Parce que dans le fond, là, je ne suis pas obligée de tout voir, tout ce que j'ai vu à un arbre, je suis pas obligée de le faire là. Je l'imagine, mais je vais le faire dans les tons foncés. Alors ici, il y avait vraiment... Je vais essayer mon bleu dedans. Et je vais m'approcher avec... pour aller faire des petites fleurs tantôt. Et la même chose, là, je vais foncer ici. Je vais prendre marine ultra auréoline. Un petit peu de... Je vais faire ressortir mon petit bonhomme. Je vais rajouter un petit peu de gris. Je vais continuer ma couleur ici. Le gris foncé que j'ai mis ici, je vais le retourner à terre pour ici, là, les ombres. Alors, je vais prendre marine et brun. Je vais le mettre ici. C'est assez foncé. Sortir la petite bonne femme. Et je vais respecter aussi les carreaux de... Je
sais pas comment on appelle ça, c'est du ciment, là, mais... On comprend. OK. Alors ici, c'est sa courbe. C'est parce que j'ai passé d'eau de l'autre côté. Oh. Des petites fleurs dans mon bac. Alors ma lumière venait d'ici. Ça, ça va être ombragé. Je vais faire tout de suite les ombres avec un peu de rouge, de marine, de brun, de céruléen, un petit peu de tout. On va voir ce que ça va donner. Le brun que vous avez, c'est fait avec terre de cygne brûlée. Ça, c'est vraiment une belle couleur pure. C'est ma lumière du matin, hein, fait que les gens, ça s'en allait comme ça. Il y a quelqu'un qui redemande, c'est quoi ta sorte de papier? C'est le papier Arche. Oui. Très bon papier. Par curiosité, est-ce que ça t'arrive des fois de peindre une scène directement à l'extérieur? Oui. Oui. Mais ce que je fais, c'est ça ici. Ah, oh, c'est plus c'est dans tes des cartes. Très, très petits et vite fait, là. Okay. Puis que chez nous, ben, je l'améliore. Okay. C'est ça, tu mets la couleur sur place, là aussi. Oui, là, comme là, j'ai perdu mon petit bonhomme. Je vais aller le retrouver. Je mets ma couleur, mais j'ai des petites palettes qui vendent. Les deux. Des palettes. Regarde comment c'est merveilleux, ce papier-là. Oh, tu sais, je revois tout de suite mon blanc. C'est ça, des relèves, enfin? Oui, regarde, ça fait comme un petit arbre ici. Regarde, j'ai même pas eu besoin de mettre de la gomme ou... Regarde, ça fait... Quand vous disiez du papier toilette commerciale, c'est qu'il faut pas qu'il soit pelucheux, trop doux. Il faut pas qu'il soit pelucheux, il faut pas qu'il soit doux, il faut qu'il soit raide, ouais. Très raide. T'arrives là, tu fais ça ici, puis tout s'enlève. Ouais. Comme ici, regarde, je pourrais faire un peu des effets. Qu'on veut pas d'habitude. Regarde. Ouais, c'est ça. Regarde, je fais des effets ici. Parce qu'on n'est pas obligé de montrer que c'est à la tige du parasol. Okay. Ça va être laid. Tu peux suggérer. Tu peux suggérer que... C'est ça. Regarde, ici, je suis loin, alors je vais en enlever un petit peu. OK. Alors, ça s'en vient bien. Alors, je vais aller dans mes fleurs, tout de suite le bouquet. Ça, c'est ça que j'ai fait avec... c'est trop lourd, là, celui-ci. Okay. Celui-là, oh, je l'avais pas mis. C'est avec du broucha. Du brouchon. Du brouchon, oui. Excusez-moi. Pas grave. Je l'avais tout à l'heure. Alors, ça, c'est de... Ce qu'on voit bien, oui. C'est de l'aquarelle, mais c'est pas le pigment est pas pur. Il y a de l'encre dedans. Alors, il faut y aller avec parcimonie. Je vais vous montrer comment on l'applique. Moi, je mouille ici. Même si c'est mouillé, regardez, c'est encore tout mouillé ici, là, regarde. Alors, je travaille longtemps. Je peux travailler très, très longtemps. OK. Ouais, parce que sinon, je vais toujours en train de... Et je veux aussi que ça s'harmonie, tu sais. C'est pour ça que je suis avec beaucoup d'eau. Je mets mon verre, je vais l'appliquer, je fais ci... Alors, là, je mets un petit peu d'eau. Je rajoute un peu d'eau pour le bouchon. Alors, je vais vous montrer. Les deux gouttes? Non. Non, non, non. Je... Oui. Ça, c'est de la poudre, OK? Hein? Moi, je l'ai mis là-dedans parce que je voulais pas en entraîner beaucoup, puis je ne veux pas en mettre beaucoup. Ouais. Alors, je prends le petit pinceau. Je le prends ici. Puis là, j'en ai même beaucoup.
et je l'applique ici. Voyez-vous les petites... Oui. OK. Et là, je ne retourne pas avec. Hein. Là, je vais aller avec lui, le violet qui se mélange bien. Mais ça, c'est avec parcimonie. Lui, je trouve qu'il est... Mais là, vous avez mis quoi? De la poudre? Oui. Ouais. La poudre... La poudre pète de... De Bruchot. De Bruchot. Là, ici. Je prends le violet. Oui, c'est le petit plat. Ça se voit comme ça, le petit cop blanc. C'est vraiment des cristaux d'aquarelle et de l'encre. Bien. Là, je vais laisser faire. Vous aurez l'effet que ça fait mouillé. Normalement, là, il faut avoir un... Moi, j'ai pas, je l'ai oublié chez moi. Tu sais, pour se maquiller, là, on met de l'eau, là, tu sais, des fois, on va en voyage, en avion, là. C'est un brumisateur. Ben, ça, une brume, hein. Okay, oui. Alors, c'est parfait. Là, je ne l'ai pas apporté le bon, mais je vais voir quand même avec vous autres. Si, je vais le cacher un petit peu pour pas qu'il. Hey, regarde, c'est cute. Regardez ce que ça fait. Le voyez-vous? C'est ça que ça fait. On peut rapprocher l'écran juste pour qu'il voit. Mais là, je peux le travailler un petit peu en faisant des choses ici. Là, je vous cache, mais au moins, vous avez l'écran. Oui, on a l'écran. Mais ça fait beau, les mélanges. Les mélanges, ça fait super bien. Et tantôt, ben, je vais mettre du vert. Regarde, ça fait cute. Ouais. Alors là, je laisse travailler. J'avais mis la gomme ici, par exemple, pour ne pas perdre de blanc. Fait que je vais aller me chercher un petit vert, un petit jaune au début. Auréoline. Mon jaune, c'est toujours auréoline. C'est dans Da Vinci, hein, je pense. Moi, je travaille, j'ai les Da Vinci puis les Blocks. OK. C'est Da Vinci, je ne savais pas qu'ils en vendaient ici. Je l'ai su il y a quelques années quand j'ai fait une démo avec Carole. Oui. Et puis que je suis venue ici, puis j'ai dit, ah, vous avez Da Vinci. J'étais super heureuse parce que j'ai commandé. Ah, OK. Puis j'avais toujours de la misère. Da Vinci, c'est jamais. Non. Jamais, jamais. Ça, c'est Blocks. Les Blocks, je ne connais pas tellement. Quand je suis allée faire des symposiums, j'en achetais. Et je les aimais beaucoup, beaucoup. Mais Da Vinci, j'avais une petite préférence pour Da Vinci. Ça, ça fait au moins 30 ans que je l'ai. Regarde. Il n'a jamais, jamais, contrairement à d'autres là, qui ont trop de gomme arabique, trop de glycérine, j'en aimerais pas ici. Là. Mais il y en a que j'ai banni de mon monde. Alors là, je vais aller ici, travailler des petits feuillages. Parce que le Bruchot, le désavantage, c'est que ça sèche très vite et ça part plus. Donc, il faut que vous soyez sûr de vous. Alors ici, je sais que la madame avait mis beaucoup de... C'est quoi la planche en dessous? OK, c'est une planche que mon chum a fait, mais qui se vend partout. Okay. C'est du... C'est un foam core. Et puis que c'est deux planches de vinyle vernis. Okay. Alors, qui fait que mon. Le fait que c'est tout mouillé encore, je garde ma feuille très mouillée longtemps. Mais sur le plexiglas, il fait aussi bien. Okay. Sauf que le désavantage du plexiglas, ça me tombe que je viens, que je ne veux travailler plus assez, je le broche sur ça, tandis que le plexiglas, je ne peux pas le brocher. Ouais. C'est ça le petit. Des,
avec mon traîneur. Ça, j'aime bien ça, un petit traîneur. Je traîne, je fais des longues feuilles, des tiges, en fin de compte. Tu traînes vraiment dans ton... Mère de Serre. Celles qui ont chez Mère de Serre fait super bien. C'est plus léger que la mienne. Elle est en foam core aussi, mais le dessus, c'est plus léger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris. Et tu peux la brocher aussi. Alors, c'est merveilleux. C'est fait spécialement pour la couronne, mais c'est pas comme une planche à dessin qu'on achète. Non, c'est ça. C'est comme vernis. Parce que les planches à dessin. Oui, oui, je sais, c'est où. Il y en a. Alors, mon bouquet de fleurs à chèvre. Je vais mettre un petit peu de rouge. Je pense que vous êtes capable d'en trouver. Ou. Un mari, peut-être. Qui peut vous en fabriquer? On n'a pas tout de ça, là. Ah, oh, il n'y a pas tout, ça n'existe plus, ça. Ils ne sont pas tous bricoleurs. C'est non, rare. La mienne, j'ai monté un nouveau chevalet en 2 jours et demi. En 2 jours et demi? 2 jours et demi. On avait l'air des vrais fous, puis je suis restée avec 3 pièces de plus. Je pousse qu'il y a. En fin de compte, moi, les fleurs, là, c'est pas, je détaille pas les fleurs. Là. C'est vraiment beau, là. Ouais, c'est je fais pas de fleurs. Là. Je mets la masse qu'il me faut. Alors, si je vais me construire, si je veux rajouter d'autres fleurs blanches, si, je vais me rajouter du, ce qu'on va dire, en négatif. Alors, je tourne un peu ici. Je m'accroche à ma petite belle bonne femme. Alors, j'ai fait un tas de grosses fleurs blanches ici, que je vais lui mettre ici. Regarde, ça fait beau le bouchon, ah ouais, c'est ouais, ça fait le beau. Petit violet. Mais je vous dis, hein, ça, là, je vais avoir ça pour 20 ans, certainement. Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup. Parce que moi, je le perce. Et puis, comme les personnages, moi, l'autre temps que je vous ai montré tout à l'heure, je mouille mes personnages, ben je vais vous le montrer ici. Admettons que je vais mettre du bruchot ici, là. Bon, je peinture, bon, je mets beaucoup d'eau. Ta tête, elle cache un peu. Pardon? Ta tête, elle cache un peu. Ah! Ça va? Oui. OK, alors ça, c'est un petit manteau d'hiver. J'aime beaucoup les personnages, hein, vous avez... Et là, je mets du bruchot. Attends, cache-toi. Ah non, tu caches pas la décolle. C'est sûr que ça va dépasser. Là. OK. On voit déjà que ça réagit. Et je mets un petit peu de rouge. Il ne faut pas qu'il soit mouillé. On ne sait pas quand est-ce qu'on en met tellement que c'est petit. Et là, je repasse, au lieu de pulvériser, je vais repasser dessus. Et ça fait vraiment un petit manteau moderne. Et même si ça va à côté, c'est pas grave. À côté, là, ce que vous faites, c'est que vous l'étirez comme ça, ça fait l'ombrage comme on veut, gars. Ouais. Vous faites ça de même comme ça. Et puis moi, j'ai trouvé un truc l'autre fois avec un papier
un petit papier comme ça. Je suis allée l'appliquer dessus pour y faire de l'effet. Ça m'enlevait un petit peu. Fait que ça fait ça, le bouchon. Mais ça atténue. Mais ça, c'est à la vie, là. Si vous voulez vous débarrasser de ça, impossible. Regarde, c'est déjà... Pourquoi? Parce que c'est de l'encre. Bon, alors on va continuer ici. J'ai réagrandi mes fleurs blanches ici. OK. Alors, c'est fait. Là, je vais attaquer ma petite bonne femme. Ben, je peux faire les fenêtres, c'est sec ici, j'imagine. Alors, j'ai fait foncé. Juste pour que tu saches, il est déjà 40. Je ne sais pas. Pardon? Juste pour que tu saches, il est déjà 1h40. OK, c'est fini? Je ne sais pas. Ah oh, non, on peut continuer encore. Dans le fond, j'en ai un autre qui commence à 2h. OK, bon, on arrêtera à 2h. Il faudrait rentrer un petit peu avant. Un petit peu avant, tu me le dis. OK. Tu me le dis et j'arrête. Pas trop. Hein? Alors ici, je vais travailler un petit peu en négatif. Des fleurs, pas des fleurs, mais des feuilles. C'est toujours foncé là-dedans. Hein? On voit que j'ai un feuillage ici. Je l'ai fait en négatif. C'est ça que j'aime, moi, de l'aquarelle. Je trouve qu'on a un million de possibilités de... Disons que c'est un médium super intéressant. Ouais. Alors, je vais faire un ombre. Hein? De la quoi? La peinture. Ouais, ouais, c'est ça. Alors ici, j'ai un petit ombre. Ça va faire ressortir ma fenêtre. Oh. Et je pourrais grossir mes arbres si je le voulais. Oh. Mais là, c'est une autre affaire. Ça va être trop... trop égal. Faire un parasol. Oui? Vous voulez chasser le parasol? Oui. OK. Le parasol, mon idée, c'était de le laisser blanc. Oui. Parce que vu que la couleur du papier d'aquarelle, c'est... Mais il doit avoir des ombres. Mais c'est ça. Alors, mes ombres étaient ici. Je les ai fait pas vraiment bien ici. OK. Alors, je vais faire des ombres. Hein? S'il vous plaît, tu veux voir la chambre. Alors ici, je vais mettre ça très pâle pour faire des ombres plus foncées. OK. Alors, mes ombres, je prends du marine, cobalt, rouge, quina, céruléen. Et un peu de terre de sienne brûlée. Je prends tout. Je prends les couleurs que j'ai ici. OK. OK. Alors, je sais que ma lumière est ici. Ça fait toutes des... Je m'attache à ça ici. Mm-hmm. Je définis un peu mon... OK, c'est pas mal. Oui, je comprends. Mais c'est, je prends pas rien qu'un gris plat parce que je trouve que c'est moins beau. Et puis ça fait chanter un petit peu le.
Et je fais des petites directions des fois pour. Parce qu'il y avait des. Tiens, ça fait ça mon nom. OK. Alors, ici, hein? Je peux faire l'autre. L'autre, c'est la même chose. Je prends les mêmes couleurs. Voyez-vous, j'ai fait la même couleur, mais je pourrais pas te reproduire le même. On est un, c'est. Tu vois, quand on je ne serais pas une bonne faussaire de recompiler les. Celle-là, ça va être plus. En plus, en mettant du brun, ça sédimente un petit peu. L'ombre est différent. Plus. Alors, c'est ça. Et ici, ben c'est sûr, c'est plus foncé. Je sais que le temps nous attrape. Elle n'est pas arrivée encore. Elle n'est pas arrivée? OK. Je vais continuer les fenêtres ici. Est-ce que je cache avec ma tête? OK. Je vais juste faire un petit rappel parce que tantôt j'ai vu un commentaire que quelqu'un se demandait si les cours que tu donnais c'était en ligne ou en boutique. En présentiel. C'est ça, c'est vraiment des cours en présentiel. Puis en fait, ce que Madeleine elle vous offre là, cette session, c'est un séminaire qui est de niveau plus intermédiaire. Qui va avoir lieu samedi le 17 septembre de 9h à 17h. Sinon, elle offre aussi une session de 6 cours d'aquarelle débutant qui va commencer le mercredi 7 septembre. C'est de 13h à 16h, c'est pendant 6 semaines consécutives. Puis quand cette session va être terminée, il va y avoir une autre session de 6 cours qui va être un peu comme la suite, ça va être débutant en plus qui va commencer encore une fois pour 6 semaines de suite. Le débutant plus, lui, c'est le 19 octobre qui va commencer. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un petit commentaire si le direct pouvait être réécouté. Oui, les directs sont toujours disponibles sur notre page Facebook dans l'onglet vidéo. Fait que vous pouvez aller toutes les réécouter sans problème. On les met sur YouTube. Mais là, on a fait beaucoup de vidéos pendant les portes ouvertes. Là, fait qu'il faut être. Un peu plus patient, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude. C'est l'ombre sous le. Là, c'est celui qui est ici, là. OK. Alors, vois-tu, on n'est pas obligé de montrer que l'ouvert va descendre ici. On le voit dans tout le. L'ensemble. L'ensemble. Ici, je vais lui faire un bel ombrage, madame. La même chose que les. J'aime bien le cobalt, le terre, je veux dire, ultramarine. Il y a un petit peu de rouge dedans. Ce qui fait qu'il fait bien pour les ombres. Elle doit être fascinée par les ouvrages. Elle regarde là. Là. Fait que je me suis dit, ça c'est inventé. Là. Il n'y avait pas cette madame-là. Elle est apparue. Hein? Elle est apparue. Elle est apparue. Alors, c'est ça. Elle avait envie d'être là. Non. C'est moi qui vous regarde. Je m'attache
toutes mes ombres vont s'attacher à quelqu'un comme lui. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé un petit truc pour faire de la pierre ici. Je vais faire mes personnages. Je vais faire un petit gris ici. J'aime beaucoup les gris, hein? Ben, vous tombez dans les couleurs, c'est pour ça que je décroche pas, là. Alors ça, c'était des pierres. C'est important un peu de le mettre aussi, tu sais, pour la direction des gens. Alors, et j'ai trouvé quelque chose d'amusant. J'ai trouvé ça chez Winners. J'ai enlevé l'encre et je me suis fait des petites... avec le gris, je ne sais pas si ça va marcher. Là. Il suffit que j'essaie quelque chose. Je l'ai essayé chez moi, mais... Et ça fait des petites pierres, regarde. Alors, ça fait comme... Tu sais, quand on marche sur les rues, c'est toujours un peu... ben là, ça marche. C'est pas uni. C'est pas uni. Et j'aime ça, le... Tu pourrais le faire avec un pochoir. Ouais, ben, dans le fond, c'est un pochoir, là, aussi. Ouais. J'ai enlevé l'encre complètement. J'ai trempé longtemps avec du savon. J'ai réussi à enlever l'encre. Et moi, je me sers de mon aquarelle. OK. Parfait. J'ai tellement de choses que je pense comment les utiliser. Alors, j'ai-tu le temps de faire mes personnages, Bruno? Si la personne n'est pas là, continue à parler. Oh! Alors, les... OK. Alors, mon bac à fleurs est fait. Je vais tout simplement sortir un petit peu de feuillage que j'ai mis mon prénom. Ah, il est ici. Alors, je vais prendre le beau bleu que j'aime. Il est encore mouillé. Elle s'en vient. Elle s'en vient? Oui. Bon, je n'ai pas le temps de faire mes personnages, mais ma lumière est ici. Je vais faire rien que le manteau de la jeune fille. Ah, OK. Alors, je vais prendre rouge parce que la complémentaire, je joue beaucoup sur les complémentarités de mes couleurs. Il y a beaucoup de vert ici, fait que je vais lui faire sa petite blouse rouge. Alors, c'est rouge Kina. Et ici, c'est plus pâle. Quelqu'un m'a demandé, c'est quoi ton carnet que tu prends pour faire tes croquis puis tes aquarelles à l'extérieur. C'est ça, c'est ici. Mais c'est-tu un carnet mix maison ou c'est tout déjà des feuilles de papier aquarelle dedans? Ben moi, je les prends ici, c'est toi qui devrais le savoir. Ben c'est ça, je ne sais pas c'est lequel que tu prends. Parce que moi, je le prends ici et puis moi, c'est pas nécessairement de l'aquarelle, papier d'aquarelle, mais ils font très bien. OK. Ah, oh, c'est vrai que tu regardes. C'est livre spiral, multimédia. Ben, c'est ça. Je pense que c'est que tu as. Ouais, hey, je suis rendue à mon quatrième. Ah oh, okay. Oui! Mais j'ai toujours pris ici, avant même que je vous connaisse. Okay, okay. Là. Alors, c'est ça. C'est le... C'est, ah, ben je vais aller voir ça. Bien. Je sais pas comment il s'appelle, là. C'est toi qui... Ouais, ben, va aller voir ça. Est-ce que tu te laisses terminer? Je vais aller accueillir Julie. Okay. Alors, je vais lui faire un petit... Moi, normalement, pour faire des plis, j'y vais tout de suite comme ça. Mettre la couleur, ensuite je reviens sur plus foncé ou
ici à dépasser. Faut pas. Et avec mon papier toilette, des fois, ça se fait bien. Parce qu'avec tous les papiers toilettes que j'ai, je mets à ma forme. J'en ai des petits. Tu sais, j'ai des faits, puis j'ai... qui font des... Regarde. Merde, pas besoin de se casser la tête. Alors là, ça, c'est ma lumière est ici. Je vais mettre plus foncé. Je vais rajouter un petit peu de brun. Terre de sienne brûlée dans mon rouge. C'est doux, hein? Oh, c'est merveilleux, l'aquarelle. J'ai été à l'huile 10 ans. Ensuite, j'ai fait l'acrylique. Et j'ai développé une allergie à l'huile. Très forte. Et je me suis dit, bon, sur quoi je vais me tourner? Puis quand j'ai découvert l'aquarelle, je me suis dit, mon Dieu, c'est fait pour moi. C'est tout en subtilité. Et tu as des heureux hasards, comme des... Tu sais, des fois, tu fais une chose, mais tu sais pas pourquoi tu le fais, mais ben, c'est fait. Alors, c'est ça le bonheur de... Mais des fois, tu es obligé de déchirer. Oh, je déchire rarement. Je la nettoie, par exemple. Ça se corrige, une aquarelle, hein? Ah oui, oui, oui. Il y a un truc pour faire ça. C'est que tu la laves. Tu attends qu'elle sèche. Allô? Tu attends qu'elle sèche. Et ensuite, tu travailles. Tu enlèves avec un petit grattoir, parce que l'aquarelle va avoir moussé un peu. Avec un petit grattoir, tu enlèves le surplus et ensuite... Bon, ben alors, je dois vous quitter. Merci.